Si le fait d'avoir écrit des poèmes, les avoir placardés sur les murs, ça m'a valu quasi une expulsion. J'ai eu d'autres réactions liées à la diffusion de mes écrits. Quand j'ai eu terminé la rédaction de ma thèse de doctorat, qui a été acceptée par le jury, que j'ai soutenu, etc., j'ai eu l'idée d'expédier des copies aux Îles-de-la-Madeleine. J'en ai expédié, je pense, 5-6 à la bibliothèque, puis dans un centre local. Puis ça, c'est en 1980 à peu près où je fais ce travail-là. 20 ans plus tard, je retourne aux Îles-de-la-Madeleine, comme touriste, revoir des gens, etc. Puis je m'informe auprès de celui qui ramassait l'argent pour l'étiquette, si... sur l'histoire des îles, comme touriste. Ah, il me dit, ben, il y a un anthropologue qui est venu ici, c'est pas c'est moi, qui a écrit un livre, puis là, il me raconte tout ce que j'avais écrit sur les débuts de l'histoire des îles de la Madeleine, puis là, j'ai eu une reconnaissance majeure du fait que c'était quasi enseigné, peut-être pas dans les cours, là, mais... les gens connaissaient très bien ce que j'avais écrit, avaient lu, plusieurs avaient lu. Pour ça, j'ai parlé à d'autres, puis c'était du même ordre, là. Ils référaient à peu près... bon, j'ai dit, il fallait faire ça. Donc, c'est pas un défaut d'écrire des poèmes sur les murs, ni d'envoyer des textes auprès des gens sur lesquels, avec lesquels on a eu un contact. Et ça, ça m'a permis de... lire autrement, je pense, les refus, les blocages qui se sont manifestés par rapport à mes écrits. Et c'est un peu à la suite de ça, surtout à la suite d'un colloque où, franchement, ça avait été dur à recevoir, un colloque organisé par le RIC, toujours le fameux Rassemblement pour l'indépendance du Québec, où on avait comme projet de jeter les bases de la création d'un parti politique, parce que ça n'arrivait pas à sortir de la dimension ethnoculturelle. Et dans la salle, bon, il y avait une majorité d'ethnoculturels. Et ça a été une charge à l'emporte-pièce. Et je me suis rendu compte même que les membres du RIC ne se défendaient même pas. Et là, ça m'a donné comme un coup au plexus, là, prêt à être narcoté. C'était en 2007. Je venais à peine de quitter l'Université Laval et c'est ce geste dans un colloque qui m'a incité à essayer de trouver une autre façon de véhiculer les idées défendues par le RIC dans le petit manifeste. Et je me suis mis dans la tête d'écrire un roman. Bon, j'ai dit là, je vais rejoindre un autre public, je vais surtout... je vais rejoindre peut-être plus les jeunes que j'en arrive pas à rejoindre. Je vais rejoindre aussi celles, les personnes qui lisent les romans, en majorité des femmes au Québec qui lisent les romans. Les hommes ne lisent très peu de romans. Donc, je voyais la possibilité de faire passer des idées au travers d'une présentation romanesque de ces mêmes idées. Ça m'a pris... combien d'années? Au moins 7-8 ans, arriver à faire un produit. En fait, j'ai écrit pendant 7-8 ans une première version rejetée, une deuxième version rejetée. C'était pas des romans que j'écrivais, c'était des thèses. J'écrivais comme un anthropologue où je faisais une démonstration. Donc, il y avait très peu d'intrigues, il y avait très peu de relations amoureuses, il y avait très peu... c'était dépouillé de la vraie vie, là. C'était plus une approche qui rejoignait les idées. En fait, il visait à rejoindre les idées, et les évaluateurs
On était unanimes là, pour dire que c'est intéressant, mais c'est pas un roman. On peut pas publier ça comme roman. Donc, j'ai refait le tout. Ça avait 750 pages donc, comme première version. Je visais trois livres de 250 chacun. J'ai refait le tout à peu près avec le même nombre de pages, mais en essayant d'intégrer une approche plus romanesque. Et cette approche plus romanesque est apparue à peine visible parce que je n'avais pas ciblé sur des personnages clés. Il y avait trop de personnages. Donc le lecteur est rentré là-dedans, il cherchait. Le lecteur est habitué au roman, non un ami qui en écrit, là, il dit Claude, ce n'est pas un roman. Ton personnage, je le vois là, je pense que je vais m'attacher à ce personnage-là. Puis là, trois chapitres, toi tombes plus loin ou 100 pages plus loin, tu es avec une autre personne qui devient le cœur. Puis il n'y a pas de lien visible, il faut les imaginer. Donc ce n'est pas le lecteur qui écrit le roman, là, c'est le romancier qui doit écrire le roman. Et le lecteur, il doit flatter dedans. Bon, j'ai dit correct. Là, je me suis repris. Et j'ai travaillé. Et c'est à ce moment-là que Yang Li est apparu comme personnage clé dans le roman. Donc, j'ai construit autour de Yang Li, qui était une petite fille de l'adoption chinoise, arrivée au Québec, élevée à l'île d'Orient, qui va devenir, pas dans le premier tome, elle est présente dans le premier tome, mais qui va devenir le personnage clé du deuxième et du troisième tome. Donc, ça donne une cohérence à l'ensemble. Puis, tous les autres personnages qui apparaissent, ils sont tous en lien avec Yang Li. Et ça donne un roman. Bon, peut-être pas pour tout le monde. Les maisons d'édition qui l'ont reçu, les maisons d'édition que je classifie comme productrice de la vision, de la conception ethnoculturelle des Québécois d'origine canadienne-française. Bon, vous pouvez les nommer, Boréal, toutes les maisons d'édition sont dans cette ligne de pensée, tous refusés. Puis, bon, je disais, le roman n'est pas si intéressant que ça, mais toi, se refuser parce que ça correspondait. Boréal m'écrit même, c'est fort intéressant, mais c'est une aventure trop grande pour nous, quand même. Là. Tu sais, si tu vas chez Boréal, mais je connais la pensée de son propriétaire, M. Godbout, c'est un Canadien français qui est dans cette ligne nationaliste, grand ami de Robert Bourassa, qui fut grand ami de Robert Bourassa. Donc lui, son comité d'évaluation donne le go, accepte. Et lui, avec son associé comme propriétaire, refuse. Donc j'ai le directeur littéraire, le directeur de l'arbitrage, les arbitres qui donnent le go, lui bloque. Là, tu te dis, oups, il y a comme une forme de censure. Hein? Mais c'est arrivé dans trois autres maisons analogues qui ont eu à peu près le même langage. Oh, ça ne fait pas partie de nos politiques éditoriales, blablabla. Tu sais, le baratin normal. Et j'ai eu deux propositions d'acceptation. Une première qui... et la semaine qui a accepté... Non, la semaine, c'est la deuxième. Une première, je n'aimerais pas la maison d'édition, je ne m'en souviens plus. Et bien, la personne me dit, fort intéressant, mais c'est pas un roman tout à fait, un roman. Il faudrait retravailler ça, là. Pouf! Puis là, c'était un peu un discours qu'elle me tenait au téléphone comme une directrice, là. C'est il faut faire... Elle voulait me montrer comment écrire. À mon âge, c'est difficile à accepter ça. Quand tu as écrit un paquet de trucs, bon, tu dis, ma plume n'est pas si triste que ça, mais j'avais pas une plume de romancier. Par contre, l'autre maison d'édition, la semaine qui publie, j'ai des évaluations ultra positives. Et eux autres, tout de suite, décident de publier. Et les remaniements qu'ils demandent, c'est une question de style d'écriture. C'est parce que je passais d'une forme d'écriture à une autre. Donc, il fallait mettre juste ça en lien. Ça m'a demandé deux semaines de travail, c'était pas compliqué. Et ça sort. Ça sort, mais il y a une erreur lorsque ça sort.
la quatrième de couverture, c'est pas la bonne page. Et ils font la sortie au mois de mars. Et une semaine après, ils retirent tous les volumes. C'est comme lancement, c'est lancement retrait. Pas chanceux. Puis bon, ils le refont. Et là, ils coupent. Ils ont coupé ici, coupé là. Puis ils ont refait les deux pages, là, puis la quatrième de couverture, ça devient la bonne. Bon. Ça sort, mais là, je n'ai jamais su combien. Je n'ose même pas vérifier combien se sont vendus. Ça ne doit pas dépasser les 400 à date. Mais ça fait 6 mois, donc... puis aucune recension. Aucun auteur critique. La semaine, c'est une revue secondaire. C'est évident. C'est une maison d'édition secondaire. Donc, ça ne rentre pas dans celles qui sont prisées. Et ça peut expliquer. D'autres m'ont dit que là, on dirait que c'est un roman qui traite de la Chine, avec surtout un nom, Vic Vara, qui n'est pas connu. J'ai pris un nom de plume. Je voulais distinguer production académique, parce que là, j'avais fait un effort majeur pour faire un roman, sortir de la production académique. Là, j'ai pris le nom Vara. Vara, j'aurais pu m'appeler Vara, Vara Barito, parce que c'est le nom d'une fille du roi qui s'est mariée au Barito arrivé avec le régiment de Carignan-Salière en 1665. Donc, pour moi, c'est dans la famille, là. C'est mes racines, je retourne à mes racines, à mes origines de base. Donc, j'ai signé Vic Vara, mais mon nom apparaît quand même à l'endos, avec une photo, pas trop mal. Et ça fait ça. Mais j'ai jamais eu de commentaires dans les médias. C'est un roman qui place les gens de l'immigration ou de l'adoption au cœur du débat entre ethno-nationalistes et indépendantistes. Tous les acteurs là-dedans sont des indépendantistes. Le premier, Victor Emmanuel, qui commence dans le premier ton, il s'en va suicider, donc ça commence par un suicide. En fait, le livre est en hommage à deux personnes que moi je considère fort importantes au Québec qui se sont suicidées. C'est Hubert Aquin puis André Fortin. Dédé Fortin. Donc, j'ai dédié le rêve parce que c'est le cheminement du désespoir dans le premier tome. C'est dur à lire pour les gens qui veulent avoir quelque chose de léger. Là, c'est un peu lourd, avec un débat opposant Aquin avec Miron sur le fond de l'approche. Il n'y en demeure pas moins que... Puis ça permet de plonger dans l'histoire du Québec. Il y a des histoires de vie qui rentrent dans le premier tome. Dont une qui se passe à Joliette, où j'ai ressuscité un peu toute l'histoire de Joliette dans le roman. Une autre se passe du temps de Pontiac, de l'avenue de... J'en fais un soldat qui va s'associer avec les patriotes et qui va devenir un exilé, parce que quand tu revenais d'un lien avec les patriotes américains, j'entends, les patriotes américains et non les patriotes du Québec, comme il était associé, il a fait la guerre avec eux, il était un ennemi de l'Angleterre. Et en ennemi de l'Angleterre, il ne pouvait pas revenir sur le territoire. Donc, il a vécu constamment à l'extérieur, toujours à la recherche d'une affirmation ici. Donc, perdu. Donc, c'est ça le premier tome. Le premier tome est axé sur un rappel d'histoire, les difficultés pour... Victor Emmanuel et Cynthia, qui est son amie de cœur. Cynthia, qui est une petite fille née à Repentigny, d'un père italo de l'immigration, avec une mère d'origine canadienne-française. Donc, tous mes personnages sont ainsi construits avec des liens d'origine diverses. Et c'est eux qui cheminent puis qui rencontrent un paquet d'obstacles dans l'affirmation de leur projet, etc. Mais qu'à la fin du premier tome, ils se réconcilient. C'est un roman, là. Ils se réconcilient avec l'ensemble du Québec, au sens où Cynthia va passer un bout de temps à Chicago, où son père est mort, son père qu'elle n'a pas
très peu connue parce qu'il a quitté le Québec, elle avait 8 ans. Puis là, elle apprend pourquoi il est mort depuis un certain nombre d'années, mais elle apprend pourquoi il l'a quitté et pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait. Elle apprend qu'il a quitté parce que c'est un fait de kiss qui a dû quitter, donc ça ramène avec les patriotes, qui a dû quitter, s'exiler parce que sa famille a été ciblée et a été pénalisé s'il était demeuré. Mais lorsqu'il était chauffeur de taxi à Chicago, il a ramassé des économies puis il a toujours alimenté les groupes populaires du Québec. Bon, tu sais, elle s'est réconciliée avec son père, elle en revient toute forte. Et Victor Emmanuel, lui aussi, va se réconcilier avec son père, puis avec la publication, parce qu'on lui annonce que leur texte va sortir dans une revue, puis etc. Donc ça, c'est le premier tome qui traite de l'histoire qui ne peut pas être véhiculée. Et là-dedans, Oswegatchi apparaît, Odelton apparaît, tout ça est mis en relief. Dans le deuxième, on a une approche totalement différente. C'est un homme d'affaires qui était parti du Québec pour toutes sortes de motifs, qui a fait un grand cheminement dans le monde des affaires, notamment dans les organismes de placement en Californie, qui est devenu à la tête de placement socialement responsable d'un gros organisme, qui s'est marié avec une Chinoise de l'immigration qui a étudié en France et qui vient enseigner, on se promène, qui vient enseigner en Californie, puis ils se rencontrent, c'est l'amour, ils ont deux enfants, puis ils décident de revenir au Québec, font des choses, puis ça bloque, tout bloque. Et par choix, ils décident d'aller s'installer en Floride, où il y a possibilité d'augmenter ses activités d'affaires parce qu'il y a énormément de gens qui viennent du Québec et qui se retrouvent là, placement, tout ça. Déçus d'avoir quitté, parce qu'ils s'en rendent compte qu'ils ont fui, comme bon nombre de Québécois fuient, Québécois de toute origine, là, que ce soit italo, que ce soit anglo, et ça sort du Québec parce qu'on étouffe. On étouffe dans la logique du Québec actuel. Pour ces gens-là, ils décident de revenir puis de financer une recherche. Ils recrutent un prof d'université, ils recrutent Victor Emmanuel qui a fait ses recherches avec Cynthia, et ils embauchent des jeunes, dont Yang Li, qui est sélectionnée pour diriger une équipe de recherche. Et elle amène ça, là. Puis elle a un ami, Aker, qui va devenir celui qui va fouiller dans les banques de données du gouvernement fédéral, les banques stratégiques, là, le Conseil des ministres, la GRC, l'armée canadienne, etc. Puis c'est un bon Aker qui réussit à les percer puis à sortir toutes sortes de documents qui permettent de découvrir quelle est la stratégie canadienne développée depuis 1955 au moment où Duplessis revendiquait ses points d'impôt. Et tout est déballé au travers de l'imaginaire, bien sûr, mais il y a quand même toute une série de données qui sont réelles et qui ressortent et sont présentées comme une logique pour maintenir toujours une approche ethnoculturelle au Québec, l'autre approche étant jugée très, très dangereuse par le gouvernement canadien parce qu'elle viendrait remettre en question sa légitimité politique. Donc, c'est ça le deuxième tome, et ça finit par un feu d'artifice assez intéressant, c'est que toutes les informations piratées par l'Aker, l'étude réalisée par l'équipe de Yang Li avec deux autres jeunes, permet de faire un survol de tous les mouvements nationalitaires, des mouvements sécessionnistes, etc. Tout ça, c'est pas trop développé, mais c'est évoqué dans leur discussion. Et ça finit par un troisième tome où Yang Li va être embauché par le Bloc québécois pour travailler à mettre sur pied une alliance entre les partis indépendantistes au Québec. Et on va travailler là-dedans, on va tout
tomber en amour, rencontrer quelqu'un aux États-Unis qui va devenir son amoureux et son mari, avec qui elle va avoir deux enfants. Et elle va connaître un échec dans des alliances qu'elle va essayer de transformer. Puis on voit que l'échec est lié à l'approche ethnoculturelle du Parti québécois, parce que la chef pense, la chef à l'époque, on tombe avec Mme Marois, pense que, je ne la nomme pas, on pense que ça sera, ils peuvent remporter le pouvoir sans les autres. Et comme ils peuvent remporter le pouvoir sans les autres, mettre de côté cette approche-là. Et le résultat, c'est que ça ne fonctionne pas et que le parti va prendre le pouvoir, mais il ne pourra pas le maintenir. Il y aura une deuxième vague dans laquelle elle va être embauchée. À ce moment-là, elle va avoir eu ses deux enfants. Son mari, en passant, c'est un conseiller de Barack Obama. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est un conseiller politique qui s'occupe toute de l'Amérique et qui est très, très au courant, mais qui doit demeurer quand même discret dans ses rapports, non pas avec Yang Li, c'est sa femme, mais dans sa présence au Québec. Donc, ça joue comme ça, puis ça débouche sur la mise en marche d'une deuxième tentative de rapprochement après l'échec de la première. Et là, cette tentative permet des liens, Pécopé rentre là-dedans, le Québec solidaire aussi, ON aussi va rentrer là-dedans, et ils vont établir une plateforme qui va être axée sur, non pas l'indépendance, mais un changement du régime politique, dans lequel on va mettre de l'avant davantage un meilleur contrôle de la part du peuple sur les décisions de l'Assemblée nationale. On revient à l'approche des patriotes de 1836. Donc, c'est ça qui... C'est là-dessus que va s'aligner le groupe et ils vont prendre le pouvoir. Rendu au pouvoir, ils vont demander à Diagne d'écrire un roman. De romancer tout ça pour rejoindre les personnes, un peu mieux faire connaître la démarche qui a été réalisée. Et c'est ce qu'elle va commencer à faire. Elle va s'investir là-dessus. Puis son mari, qui est sur le point de quitter le groupe d'Obama parce qu'après un certain temps, il faut des changements, décide de venir s'installer au Québec. Et parce qu'il a obtenu un poste de professeur à l'UQAM dans le cadre d'un programme, je me souviens plus tôt. Et tout ça, elle s'oriente elle prend l'avion pour aller le rejoindre pour pouvoir revenir avec le camion de déménagement avec lui. Et elle le trouve mort dans l'appartement. Il était assassiné par les forces qu'on découvre que ce sont des agents canadiens qui avaient découvert des liens entre lui, le gouvernement Obama, puis le mouvement, de telle sorte qu'il a été éliminé. Donc, c'est un choc majeur pour elle. Elle revient, décide de partir, parce que là, une amie de longue date qu'elle a rencontrée à l'île d'Orléans, Kate, qui est une Britannique, elle décide d'aller s'installer à l'île de Man, en Angleterre, passer une certaine période, puis revient. Et là, le fait qu'elle revienne, ça laisse la porte ouverte, peut-être un peu facile, pour une suite éventuelle. Donc c'est ça, Yang Li, l'objectif étant de rendre les choses qu'on ne dit pas davantage visibles au travers des relations entre des personnes qui sont indépendantistes, qui veulent un pays, mais qui ne sont pas nécessairement des Québécois d'origine canadienne-française. Donc, les personnages clés sont issus de différents groupes. Il y a un Italo-Québécois, il y a un Hacker. Ce Hacker-là a un ancêtre qui vivait dans les cantons de l'Est, anglophone d'origine, qui était marié avec une Canadienne-Française de Kamouraska, donc ils sont retrouvés là sur des terres de colonisation. Donc c'est un brassage un peu de toute l'histoire du Québec qui se retrouve là-dedans. Une histoire passée,
une histoire présente et une espèce d'histoire future, ce qui est très compliqué à faire parce qu'elle se défait à chaque fois qu'il se passe des événements. Donc, ce que tu as prévu, ça ne marche plus. Donc, tu sais, j'avais prévu que le Bloc québécois, que du CEP ne reviendrait pas puis que le Bloc québécois pique du nez, mais ça a l'air qu'il est revenu. Puis, ça a l'air à monter un petit peu. Donc, c'est pas dans le roman, ça. Ça sera peut-être dans le prochain. Mais c'est ça. J'ai écrit ça précisément pour rendre les idées qui sont les mêmes que dans les écrits, du même genre que celles que j'ai débattues autour d'une table dans le bateau en revenant ou en allant aux Îles de la Madeleine. C'est à peu près du même ordre.